Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième DVD ainsi que toute l'équipe technique. Pour ce deuxième volet, je vous ai contacté un petit morceau que j'ai appelé Swing Trad, puisqu'il est dans l'esprit des swings traditionnels manouches. Donc eh bien, écoutez, encore une fois de plus, je vais développer ce morceau sur 5 thèmes. C'est-à-dire le premier, je vous joue la rythmique, le deuxième, le thème. Et après, je développe le tout en 3 solos, hein, 3 chorus, dont un pas trop difficile, un peu plus avancé, c'est-à-dire là, cette fois-ci en triolet. Et le troisième sera en octave et en accord. Voilà, c'est parti. Voilà, donc maintenant je vais donc vous interpréter le thème. Voilà, c'est parti. Passer au premier chorus. Même petite remarque que dans le premier DVD, faites bien attention à l'attaque du médiator. Le médiator doit s'appuyer sur chaque note, chaque corde, bien buter, bien descendre, bien sweeper, comme on dit, pour les descentes de notes corde par corde. Et en remontant, changement de corde, toujours le médiator vers le bas, bien en attaquant. Voilà, c'est parti. Nous pouvons donc passer au deuxième solo. C'est parti. Voilà, maintenant nous allons passer au dernier solo, en octave et en accord.
je vais vous enchaîner le tout, c'est-à-dire le thème et les trois chorus consécutifs. C'est parti, Philippe. J'espère que ce swing trad vous a plu, que vous allez avoir du plaisir à le jouer. Surtout, ne vous inquiétez pas des difficultés, surtout du passage au triolet. Travaillez les passages doucement et ça viendra, j'en suis sûr. Voilà, à bientôt.